en toute chose, il n'y a pas de génération spontanée. Il n'y a pas de génération spontanée, tout s'apprend dans la vie. Même jouer au football, ça s'apprend. Faire la musique, ça s'apprend. Ça, c'est 45 ans de carrière. Pour arriver à ce niveau, c'est 45 ans de carrière. C'est pas de l'improvisation. Hein. C'est 45 ans de carrière pour arriver à ce niveau pour vous tenir à la lettre pendant 2 heures de volant. Ils ont regardé. Il va nous rejoindre. Alors je voudrais vous dire que nous allons faire ce concert parce que nous avons un grand projet pour vous. Makori, c'est le carrefour, c'est la commune carrefour du district d'Abidjan. Makori, c'est 5 minutes de l'aéroport. Makori, c'est 5 minutes du plateau. Makori, c'est 5 minutes du port. Et avec le troisième pont, Makori, c'est 5 minutes de Cocody. Ça veut dire que Makori est une ville, est une commune carrefour. Makori a donc des exigences. La semaine prochaine, nous allons vous préparer un grand projet, le semi-marathon de Makori. Et ce projet va consister d'abord à récompenser toutes les anciennes gloires de Makori. Tout le monde sait qu'à Makori, nous avons de grands sportifs. Tout le monde sait qu'à Makori, nous avons de grands artistes. Les magiciens, les marabouts, tout cela, c'est Makori. Donc on va lancer un grand projet qu'on appelle Makori, commune du sport et de la culture. C'est un événement qu'on vient de vivre ce soir. C'est un événement qui va se répéter tout le temps. Ça va devenir une institution. Dans 4 mois, vous allez avoir ici à Makori, sponsorisé par la mairie, le FEMIA, qui est aussi une institution. Vous allez voir dans 6 mois, on va vous lancer ici, à Makori, le festival des danses traditionnelles. À Makori. En décembre prochain, la foire gastronomique de Makori.